Bonjour, c'est Grifox. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la dernière stratégie de farm que j'ai mise au point. Et il s'agit du Toxoliath. Donc ce donjon, il me faisait vraiment envie depuis un moment. Parce que j'ai essayé de farmer tous les donjons de dimension qui ne sont pas de niveau 200. Et celui-là, bah, il est niveau 180, donc c'est le plus haut level de, de la tranche que j'ai visé pour le moment. Et j'ai réussi à trouver un placement pour le faire en A8, en score 517 comme vous le voyez là. Avec une base 1 Enu, 3 Kras, 1 Roublard et 3 Mules Sagesse. Vous allez voir, l'XP c'est très intéressant si je prends mon Enu qui est donc le seul perso que j'ai, 199 en panneau Sagesse. Je suis à 304, plus de 304 millions. Alors je suis en XP x2 dessus, donc on reste quand même sur du 150 millions au moins pour une mule par combat, c'est quand même très intéressant. D'autant plus que le niveau de groupe il est 1464 alors que le Toxoliath est 1440. Donc on perd un petit peu d'XP parce que le niveau n'est pas optimisé. Enfin vous vous rendez bien compte que c'est vraiment pas mal. J'avais essayé de le farmer dans un premier temps et ça m'avait paru très compliqué parce que les mobs ont beaucoup de portée. Et j'avais un peu baissé les bras et puis récemment je me suis dit bon allez je vais pas me démoraliser comme ça, j'aimerais beaucoup réussir à le farmer. Et je m'y suis mis et j'ai trouvé un truc qui marche. Alors je vais vous présenter ça tout de suite sans plus attendre. On est parti. Hop. Alors, le placement, les nus c'est bon, on va mettre les cras à côté, le roublard en prévision pour les boosts. Les nids je vais en servir juste pour mettre un petit peu les PA, comme il est là, autant qu'il serve à quelque chose, mais ça change pas grand chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, ça c'est mort, un collant, ou 95%, ça c'est chouette. Très bien, donc on va voir comment on fait ça. Alors en fait, initialement, j'étais parti sur me placer dans cette zone-là pour pouvoir utiliser les flèches persécutrices parce que le grand regret que j'ai sur la stratégie que j'ai actuellement, c'est que je peux pas utiliser la flèche persécutrice et ça me rend complètement fou parce que c'est juste trop jouissif de balancer des trucs à 2000 pour 2 PA, 3 PA. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça du coup. Là, je mets une pelle juste pour le succès collant. Alors je vais vous présenter les mobs un à un. En gros, alors, le mort frelon, celui-là, qui est le mob exclusif au donjon, il est très dangereux parce qu'il tape avec beaucoup de portée, donc il faut le ralpeo et essayer de le focus autant que possible. Hop, bon alors là en modificateur on a liaison longue portée, hein, ce qui fait qu'il y a du renvoi de dégâts un petit peu sur tout le monde. Jusque là tout va bien. Moi qu'est-ce que je vais faire? Au premier tour avec les crash, je commence toujours par booster mes flèches punitives et expiation. Comme les crash sont multi, ça va me permettre d'avoir des gros dégâts par la suite. Hop, ok, le truc qui me touche un tout peu, jusque là c'est pas bien grave. Ok, j'ai pris un peu de retrait PA. Hop, on va tuer déjà un premier mob. Voilà. Ensuite le roublard là, le roublard je lui ai fait une accélération au premier tour pour qu'il puisse venir se placer. Alors vous allez voir où est-ce que je le mets. Hop, on est parti là-dessus. Donc le roublard qui booste, en fait l'idée c'est vraiment de venir se coller au maximum tout en bas de la carte. On va faire... ouais, allez, une botte. Hop. Voilà, le roublard se met ici. Lenny, comment je vais faire? Si je vais là, c'est chiant. Ok, donc là, mon placement initial, il est un tout petit peu modifié par... par le fait que je fais le challenge collant. Et hop, voilà. On va se mettre comme ça, et là, on a le placement définitif. Ensuite, les deux petites mules là-bas, bah, concrètement, on s'en fout pas mal, faut juste que je fasse gaffe à pas foirer le truc. Ouais, bon, on va passer, hein, ça sera plus simple. Avec lui aussi. Hop, voilà. Alors, donc j'ai dit le mort frelon qui tape à distance, qui vole de la PO en plus, enfin bon, faut faire gaffe. Ça, je vais le râle. Hop, les perfides. Donc, mort frelon et perfides, c'est les deux mobs qui tapent avec le plus de portée, et donc qui sont les plus dangereux. Mais bon, ça se gère quand même relativement bien. Hop. Ensuite, on a quoi? On a puce ronde. Alors puce ronde, ça fait juste rien du tout, on s'en fout complètement. Dans cette configuration de combat, en fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Hop. Je vais taper le scoliopode, on va essayer de le tuer assez vite. Ou alors je pars sur les perfides. Allez, on est parti pour tuer le scoliopode. Donc, ça sert à rien. Le scoliopode, il est un peu chiant parce qu'en fait, quand on le tape, il vole des PM. Ce qui fait qu'une fois qu'on a commencé à le focus un petit peu, il vaut mieux le terminer parce que ça peut vite devenir très compliqué après. Parce que, voilà, vous voyez là, il me vole des PM et lui, il en gagne, donc au bout d'un moment, il peut nous rush. Donc en gros, lui, une fois qu'on le commence, on le termine, quoi.
Hop, les perfides a beaucoup de portée, ça met des glyphes, c'est très chiant, mais ça se gère bien. Alors lui, je le termine. Bon, on va même mettre un peu de retrait comme ça. Hop. Allez, la petite flèche ralentissante. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la Lucrane. La Lucrane qui est insupportable, qui fait du vol de vitalité à courte portée, donc ça c'est un truc que vous avez peut-être remarqué si vous l'avez déjà fait avec une composition plutôt de mêlée. Mais elle a un autre buff, c'est un renvoi de. Elle renvoie la moitié des dégâts qu'elle subit de manière infinie. Et ça c'est juste insupportable parce que bah, voilà, quand on a un crâne avec 17 PV comme vous le voyez là, si on se prend un renvoi de dégâts, on est mort tout de suite quoi. Mais il y a un moyen de le désactiver pour un tour, il faut lui mettre des dommages de poussée. Donc bah, les flèches. Comment ça s'appelle? Hop. Flèche de dispersion, voilà. La flèche de dispersion, elles vont servir en fait à leur mettre des dégâts de poussée à chaque fois. Ah, je me perds dans mes comptes. Hop, voilà, on y est. On va râler tout ça. Et donc une fois qu'on a mis des dégâts de poussée, ça désactive le renvoi de dégâts pour un tour et là on peut taper tranquillement. Faut juste rester bien vigilant parce que sinon bah, ça devient tout de suite le bordel quoi. Là, hop, on va bourriner là-dedans. Hop là. Est-ce qu'on termine ce truc? On va y aller sur les perfides, je pense. Hop, voilà, ça devrait suffire. Hop, et la pucerande qui tombe aussi. Parfait. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, je pense que vous avez à peu près tous les éléments pour bien comprendre le combat. Donc le scolyopode, hein, voilà, je commence, je termine. Hop. Et bien sûr, on va maintenant s'intéresser au boss, hein, vous vous en doutez. Je vais quand même vous en parler un petit peu. On n'oublie pas de remettre la portée. Est-ce que je le tape un peu ou pas? Ouais, je peux commencer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on entame le boss, il faut pas utiliser de PM pendant le tour où vous l'avez tapé, parce que sinon vous allez prendre très cher. Hop. Parce qu'il met en fait un poison qui vous fait des dégâts en fonction du nombre de PM utilisés. Donc là, par exemple, je peux placer le Kaboom avec le Roublard, mais parce que je ne le tape pas. En revanche, si je lui avais infligé des dégâts, je ne pourrais pas, sachant qu'en plus c'est rétroactif. En gros, si vous bougez et qu'après vous le tapez, vous allez vous prendre du poison en fonction des PM que vous avez utilisés avant. Alors là, on voit qu'avec l'Idolarum, ça lui a mis un mot de reconstitution, donc je suis complètement baisé. Tant pis pour moi. En gros, je l'ai tapé pour rien, pratiquement. La Lucrane, est-ce que je vais pouvoir la terminer? Bon là il faudrait que je les tourshotte. Est-ce que c'est gérable? Je pense que oui. Ça m'embête qu'il soit placé comme ça. Bon dans le doute, on va râle. Hop, lui je le râle aussi. Donc là je ne mets pas de pelle du jugement sinon ça enclencherait son buff. Est-ce que ça passe? J'en doute un peu. On va péter la Lucrane qui est un peu proche. Et hop là. Et on va juste venir lui mettre un poison à lui. Et on va en rester là. Alors là, comment je peux faire? Je vais essayer de le foutre contre le mur comme ça. Hop là, on est parti. Bon, du coup, je vais perdre un peu de temps parce qu'il va se faire reco par les nues. À moins que je décale les nues, en fait. Ouais, je vais peut-être faire ça, ce sera plus simple. Parce que là, sinon, ça va nous faire perdre un tour, quoi. Ça m'embêterait de taper dans le vide. Hop! Voilà, alors là le roublard qui continue à booster tranquillement. La capacité de boost du roublard, c'est juste incroyable, hein, concrètement. Hop! Le nombre de trucs que ça rajoute, c'est incroyable. Donc là, on est bon. Les nids, n'aura pas grand-chose de plus à faire. On va mettre des petits déroutants pour mettre un tout petit peu de puissance. Et alors là, le buff qu'il fait, je crois qu'il a toute la map de portée, qui nous met violet. Là, il l'a fait sur Lenny. Ça augmente juste les dégâts subis, tout simplement. Donc, bon, comme on fait un intouchable, on s'en fout un peu. Là, vous avez vu que j'ai décalé Lenny pour pas le soigner avec l'Idolarum, mais concrètement, ça change pas grand-chose. Et je l'ai bien placé près de la Kawotte pour ne pas louper le challenge. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'il arrive quasiment toujours du côté de la base, ce qui fait qu'on a la portée sur lui sans se déplacer. Donc, c'est très facile de gérer son buff comme ça, quoi. Il y a certains placements où il apparaît à droite, auquel cas avec les Nutrophes, je fais une pelle animée dès le premier tour et je le replace comme ça m'arrange quoi. Et en faisant ça, j'ai aucun problème de placement. Alors on va aller chercher la portée sur les perfides. Hop.
Donc là maintenant les mobs ils vont à peu près se faire tuer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il faut juste être vigilant, voilà, la gestion de la portée du Morpholon et des Hyperfeed, donc là il n'y en a déjà plus en vie, c'est parfait. Il faut s'arranger toujours pour mettre les dégâts de poussée sur la lucarne. On va faire comme ça, hop. Voilà, donc là il a pris des dommages de poussée, donc je peux la taper, en revanche j'ai pas la ligne de vue pour lui mettre la punitive, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va faire 100, est-ce que je mets ça comme ça? Ouais, bon, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Hop, donc celle-ci est désactivée. Elle, est-ce que je vais pouvoir lui mettre des dommages de poussée, là, on va voir. Hop. On continue à booster tout le monde. N'oublie pas de bien se placer pour le challenge. Lenny qui va rebooster les PA. Hop là. Donc ouais, voilà, Lenny ne change rien, et quand Lenny n'est pas là, je prends n'importe quelle mule, hein, je mets Lenny à la place de Lenny, et comme ça c'est réglé. Alors j'ai pas dit pourquoi j'avais mis une kawotte, je vais peut-être vous expliquer ça. On va partir là-dessus pour l'instant. Je vais faire une pelle animée, je pense, pour me rapprocher le scoliopode et avoir la ligne de vue dessus. Ah voilà, donc en faisant ça, voilà, la pelle animée me le rapproche et je peux le brouiller avec mes crasses sans être embêté. Donc alors voilà, deux choses dont je n'ai pas parlé. La kawotte qui me permet d'une part de ne pas être boosté, de ne pas être déplacé quand je fais la botte avec le roublard pour booster. Parce que c'est quand même chiant à chaque fois que le placement il se fait perturber par des conneries. Hop voilà, donc là il y en a déjà un qui dégage. Le deuxième qui va suivre aussi. Hop. Est-ce que je le touche lui là-haut? Ah, il crève pas. Est-ce que je l'ai comme ça? Non. Faut toujours être très vigilant à avoir les PM pour se replacer. Sinon c'est vite la merde. Hop. Voilà, donc je peux bien me remettre, surtout en plus qu'il y a là qui est le challenge, donc c'est encore plus important. Là je peux l'avoir comme ça, voilà. Donc si on l'achève, comme tous les buffs comme ça, si vous achevez l'ennemi, il n'y a aucun effet qui est déclenché. Donc bon à savoir. Alors là je vais pas perdre 3 plombes à essayer de taper de trop loin. Voilà, on va simplement attendre qu'ils approchent. Donc cette fameuse kawotte, je vais enfin vous dire pourquoi je l'aimais. C'est d'une part pour ne... Si jamais en fait il y a un mob qui arrive et qui a la... que j'ai mal géré et qu'il a la portée de me taper, en gros la kawotte ça me fait un peu un joker, elle peut tomber à la place de mon ennemi, ça m'arrange. Enfin c'est toujours mieux de perdre une kawotte que de perdre un perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère ça. Et voilà, ça m'évite de pousser l'ennemi avec mes boosts du roublard, donc comme ça le placement il reste comme il est. Hop là l'ennemi, bon clairement il n'y a plus grand chose à faire, allez on va mettre un tout petit peu de rad là-dessus. Là je garde la case derrière le roublard pour mettre le coffre animé en fin de combat, ça évite qu'il part dans tous les sens. J'aime bien moi, bloquer un peu mes coffres animés pour pas qu'ils me gênent. Là on peut l'avoir là, hop. On va mettre des dommages de poussée comme ça, lui il y passe, lui il prend cher, hop là. Je vais être un tout petit peu embêté pour aller tuer la Lucrane là. Est-ce que je peux lâcher une première dispé ici? Voilà, j'anticipe le tour du crâne suivant. Hop. Et là, je suis complètement... Ah, attends, je vais vous montrer le renvoi de dégâts, comme ça vous allez voir. Quand même, je prends la moitié, normalement, là, je meurs pas. Voilà. Ouh, c'était très close. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer, donc à éviter. Donc j'ai pris, parce que j'ai crit, j'ai lâché un gros truc. Et voilà, donc je me retrouve très low life, donc il faut faire très attention à pas se faire one shot un perso comme ça. Et donc là, toujours, les dégâts de poussée qui désactivent ce truc. Je vais le taper terre, comme ça. Et lui, on va lui mettre une XP. Et ça, et c'est parti. Hop. Et en fait, la grosse difficulté du combat, c'est, alors comme j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'on puisse pas trop utiliser de persécutrice parce qu'on est très rarement en ligne avec les ennemis. Ça, c'est plus frustrant qu'autre chose, hein. C'est juste parce que moi, j'adore bourriner avec les percés. Et il y a l'espèce de bloc, là, l'obstacle, qui fait qu'on peut... Enfin, très souvent, en fait, on est embêté par rapport aux lignes de vue sur les ennemis. Et ça, c'est insupportable, quoi. Souvent, on perd quelques tours parce qu'il y en a un qui est caché derrière et il faut le repousser avec une dispé. Ou alors, c'est compliqué de placer du RAL PO ou PM dessus. C'est un peu contraignant. Mais en gros, c'est un petit peu les seules difficultés du combat. Une fois que ça s'est réglé, voilà, je m'embête même pas à RAL plus que ça, au final, parce que de toute façon, il n'y a pas de danger. Les mobs, ils arrivent, ils meurent direct. Hop! Ah, enfin des persécutrices, qu'est-ce que j'aime bien. Bien sûr, quand je peux en mettre une, ça crit pas, hein, sinon c'est trop beau. Quel dommage. Hop, bon, allez, on va se faire ce petit scoliopode. Hop là.
Bon là l'XP va être sympa je pense avec un petit challenge. Hop. Voilà, on se reprend les PV qu'on a perdu tout à l'heure. Quand même, hein, ça serait bête. Voilà. Et on va taper le mort frelon qui est là le plus dangereux. L'intérêt d'avoir des crânes multi comme ça, c'est de pouvoir à chaque fois moduler les sorts qu'on utilise en fonction des résistances des adversaires. Bon alors, dans ce combat, il n'y a aucun adversaire qui n'a des faiblesses. Mais en revanche, ils ont par exemple... Ah bah si, je dis n'importe quoi. Le Morpholon a des faiblesses terre. On est tour 8, ok. Hop. Mais là par exemple, ça, il n'y a que des faiblesses neutres, donc on peut pas trop les exploiter. Comment je vais le finir? Hop. Hop, voilà. Et ouais, en fait, non, je t'ai dit n'importe quoi, ils ont tous un élément où ils ont une faiblesse, donc il suffit juste de taper dedans. Moi, je les connais par cœur à force, hein, donc c'est très rapide. Là, j'en ai fait déjà une petite 15-20 des Toxoliates, c'est pas mal, c'est assez plaisant à faire. Et le but, enfin, je fais ça, en fait, c'est ma principale source de Kama. Et je fais payer 1 million le combat par mule. Donc si j'ai 3 clients, ce qui arrive très souvent, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé d'ailleurs, bah, ça me fait 3 millions par combat, juste avec le paiement, sans parler du drop, parce qu'au final, le drop me rapporte aussi énormément, je vais vous parler de ça après. Alors hop, on se concentre 2 secondes là-dessus, voilà, donc j'ai mis les dommages de poussée pour désactiver le renvoi de dégâts, lui, je le tue, lui, je le tue pas, mais ça va pas tarder. Hop. Alors là, voilà. C'était à une case près, là, de me perdre les nuits, donc quand je dis qu'il faut le ralpéo, bien sûr, j'ai oublié de le faire. Il faut être très vigilant. On est vague 3, tout va bien. Hop, donc là, quand ils sont invulnérables, ça, c'est insupportable, donc on peut mettre des petits poisons, ça peut éventuellement faire la diff plus tard. Hop. Donc oui, je disais, je peux prendre 3000 par combat, et je me suis déjà fait un paquet de minions comme ça. Certains trouvent que mon prix est extrêmement cher, et moi, je trouve que, en fait, de toute façon, à la base, payer pour XP, c'est une hérésie. Donc à partir de là, bah, je mets mon prix, et puis je pense que la qualité, quand même, de ce que je propose, elle suit derrière. Ah bah voilà, là, on a perdu Lenny, bah vous allez voir du coup ce que c'est le combat sans Lenny, donc la configuration que je prends habituellement, hein, quand j'ai pas de nid en mule. Hop. Et on va mettre ça comme ça, on va replacer les nuits. Hop. Donc c'est pas gênant, c'est juste là j'ai pas été très vigilant comme je parle en même temps. J'aurais pu lâcher un petit ralpéo sur les perfides. Hein. Pas forcément très bien géré de ma part. Voilà. Et donc voilà, ouais, je propose des passages et j'en profite pour me faire un peu de pub si vous voyez cette vidéo, que vous êtes sur Mani parce que c'est le serveur sur lequel je joue. Bah, n'hésitez pas, si vous voulez le faire, ne serait-ce même que le faire qu'une fois pour les succès, je pense que c'est intéressant. Parce que succès score 300 sur Toxoliath, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi, je me rappelle que quand je l'avais fait, j'avais galéré comme un fou. Parce que j'étais pas du tout dans l'optique de le faire avec une compo à distance comme ça, et c'était très fastidieux. Tiens, voilà, un petit one-shot là-dessus. Lui, on l'explose. Hop là. Et puis bah, j'ai toujours des mules à monter, moi j'ai toujours plein de persos de toute façon dans tous les sens que j'XP, donc dans tous les cas je peux boucher les membres manquants d'un groupe s'il y a besoin. On va aller chercher la petite zone explosive là-bas, hop. Et le mort frelon, il va y passer aussi. Est-ce qu'on est safe par rapport au mob? Lui c'est bon, ok ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors là, mais les stuffs de mes crabes, bon, vous avez vu, je pense que vous avez compris, c'est du Fulrox. Hop. Seulement, j'ai pas mis d'exopéo. Avant, j'avais pris les corps à corps, bien sûr, c'est des épées Glourson. Et avant, elles étaient exopéo, mais j'ai préféré les mettre armes de chasse parce que les viandes en masse comme ça, ça me rapporte énormément. Et là, c'est la première fois que je suis un petit peu embêté, que je dirais pas non avoir un petit peu de portée supplémentaire. Donc je verrai pour me faire éventuellement des armes exopéo plus armes de chasse, pourquoi pas. Si d'ailleurs quelqu'un a envie de me les faire, je suis preneur, j'ai un peu la flemme, mais bon, c'est sachant que je suis pas du tout exigeant sur le reste du jeu, il me faut juste en gros la sagesse pour le retrait. Waouh. Wow. Donc je suis pas attentif une fois de plus et j'ai failli me faire one shot le cra. Et heureusement que j'avais un peu de vie. Oh putain. Hop, on va se remettre un tout petit peu de régène comme ça. Lui, bon, clairement, hop, il y passe.
Hop là. Et donc on arrive à la fin. Vague 5, voilà. Les combats, ils font entre 15 et 20 minutes en général. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, parce que voilà, comme je le disais, ça fait pas très très longtemps que je fais ça, je peux tomber en dessous de 5 minutes. Pardon, de 5 minutes, on va pas être trop fou. De 15 minutes. Et là, en ce moment, je suis plutôt autour de... Oh là là, décidément, je fais n'importe quoi. Heureusement que je commande pas à chaque fois que je le fais, sinon ce serait beaucoup plus problématique. Bon, on voit que les dégâts des mobs sont quand même pas très très conséquents. Hein. Là, à chaque fois, je me prends des claques et je m'en sors alors que j'ai 300 PV. Concrètement, ça va, c'est surtout... Bon, après, c'est les perfides qui me touchent et c'est le plus cancer. Enfin, c'est celui qui râle, quoi. Donc c'est pas forcément celui qui tape le plus fort. En revanche, s'il y a un scoliopode qui vous tombe dessus, vous allez vite comprendre votre douleur. Hein. Hop, on va juste râler cela. On va caler un petit coffre animé en prévision. Hop! Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Morpholon qui avance, tout va bien. Mais ce farm, ouais, il est extrêmement plaisant à faire. Je trouve qu'il n'y a pas. Bon, alors là, bien sûr, j'enchaîne les petits fails depuis tout à l'heure, mais c'est rien de bien méchant. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses difficultés sur le combat. C'est pas comme le 42, par exemple, que je vous avais présenté, où la moindre erreur sur un mob, elle est fatale et vous pouvez recommencer le combat. Là, concrètement, il y a une certaine marge de sécurité quand même. Fait que c'est très agréable à faire. Hop, allez, un petit crit, il tombe lui, parfait. Hop, bon, l'écras, ouais, le stuff est sympa. Le dernier là, il lui manque quelques petits dofus. Mais bon, ça va venir. Hein. Je vais me faire des sous et je vais pouvoir m'acheter ça très rapidement. On continue tranquillement à booster. Bon, là, le combat est presque terminé. Et ouais, donc c'est très agréable à faire, et surtout je suis très fier d'avoir mis ça au point, parce que j'ai copié sur personne. C'est vraiment, moi je me suis dit, je vais farmer le Toxoliath, je vais essayer un placement qui marche, j'ai trouvé un truc qui fonctionne. Donc alors bien sûr, j'ai un petit peu hésité à le partager, mais je pense que l'entraide c'est important sur Dofus, surtout qu'on me reproche souvent d'être assez perso. Alors autant sur tout ce qui est mes stuff PVP, mes stratégies PVP et tout, je vous dirai jamais grand chose, mais sur du PVM, j'estime que on est un peu tous ensemble dans le même bateau. Donc je partage avec plaisir. On va quand même ne pas louper le succès, enfin le challenge sur le dernier tour, ce serait un peu con. Hop! Est-ce que je vais pouvoir caler des deux poufs là-dessus? Oui, hop là. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et j'ai pas la portée pour lui mettre la punitive, donc je vais pas le faire, parce que sinon ça va me foirer le challenge. Et là, je vais essayer de le finir comme ça. Allez, comme ça, et on va venir se placer. Bon, je crois que ça foire pas le challenge si on ne termine pas au CAC, mais bon. Voilà, c'est 15 et 20. Et là, on est sur du 600 millions d'XP sur Lenny, donc vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant. Donc je rappelle, sur du XP x 1, ça ferait du 300 millions. Donc extrêmement intéressant, et sachant qu'on peut avoir deux tchals à presque 100%, on peut en gros monter à 450 millions sur un compte en XP x 1. Alors après, le drop est extrêmement intéressant, je vous ferai des vidéos où je vous montrerai un petit peu ce que j'en fais à côté. On a les viandes que je drop en masse aussi, donc j'en ai des milliers en banque, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de trucs qui s'accumulent et qui peuvent bien se vendre. Et puis bah voilà, je crois que je vous ai fait un tour à peu près complet du truc. Donc je le redis encore une fois, hein, je vais fermer ça pendant un moment, donc je suis sur Mani, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc vous pouvez MP soit Drifox qui est mon énu, soit Grifox avec un G qui est mon personnage principal, mon Yop, que je ne prends pas pour ce farm ici. Voilà, à vous de voir. Et puis bah, pour ceux qui veulent essayer de reproduire ce genre de stratégie, vous avez vu, c'est très simple. Regardez bien comment j'ai placé mes personnages au début par rapport à l'initiative et au premier tour. Mais après, bah voilà, ça c'est un petit peu d'entraînement et ça se déroule tout seul. Ben voilà, petit Toxoliath qui est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire voilà, cette vidéo, ce farm en général. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous auriez par rapport à comment faire, quel compo prendre, qu'est-ce qu'on peut éventuellement varier dans cette composition. J'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!